Bon allez les gars, dernière petite vidéo parce que là je suis plus tout seul à la casbah. Donc voilà, comme je vous avais dit, le petit morceau de hip-hop que je vais vous passer. Et puis voilà, on terminera sur cette petite note tranquillou. Tac 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 tac, je me dépêche. Hop, on est sur les Kappa 70. C'était la différence, elle est flagrante la différence. Autant que sur les Kappa 70, t'as vu, tu mets des sons qui sont acoustiques, tout ça, ça passe bien. Mais là tu mets du hip-hop, bam, les keffs elles s'envolent. Et c'est pour ça que je te dis que les enceintes, des fois, si t'écoutes un style un petit peu plus prédominant, et ben forcément t'as une enceinte qui va plus te plaire que l'autre. Enfin, pour moi, c'est infaillible. Voilà, j'allais dire inéluctable aussi, mais tu vois, tous ces autant d'adjectifs pour désigner un superlatif, mais voilà, c'est vraiment incroyable. Et tu vois, du hip-hop, je t'en passe pas souvent sur la chaîne, parce que bon, voilà, je sais bien que les personnes qui sont sur ma chaîne sont plus des seniors que des plus jeunes.
Moi, tu vois, même si je suis un peu dans l'entre-deux, on va dire, si je suis dans l'entre-deux, j'aime beaucoup le hip-hop. Et encore, je t'ai pas passé des sons hip-hop connus parce que, voilà, là, je t'ai passé un son qui est pas connu, justement, mais qui sera peut-être révélé plus tard. Je sais pas, on verra. Un petit peu comme le son de R&B que je t'avais fait écouter où l'artiste, elle avait quoi, je sais pas, peut-être 1 500 abonnés et qu'après, bah, ça se trouve, après, ça va décoller. Et ce son-là, dans quelques années, tu l'entendras. Et voilà, d'ailleurs, c'est tout ce que je souhaite à l'artiste en question. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, toutes ces petites vidéos. Et voilà, bah, après, on va passer à d'autres enceintes. Allez, ciao, ciao, bisous à vous, prenez soin de vous et à très vite.